Alors, vous savez qu'il y a eu les compatriotes qui ont été victimes des inondations ici à Kindu, donc à Maniema en général. Mais il y a aussi beaucoup de déplacés internes qui sont ici. En tant que ministre des Actions humanitaires, j'ai conduit une délégation de 30 membres du gouvernement pour pouvoir évaluer le dégât afin de voir comment intervenir pour réinsérer plus tard ces gens qui sont victimes des inondations, aussi voir comment est-ce qu'on pourra assister dans l'avenir les déplacés internes. Aussitôt qu'on a eu l'assistance du gouvernement central, nous avons créé une commission. Une commission qui est composée des services de sécurité, où il y a le directeur provincial de l'ANR, directeur provincial de l'ELGM, le numéro 1 de la police, le général, plus les droits de l'homme. Nous avons construit l'affaire humanitaire, la protection civile. Puissent bénéficier de l'appui du gouvernement central, parce que depuis que nous sommes à la tête de la province, c'est la mission, pour qu'il y ait transparence et pour que chaque Congolais puisse bénéficier du peu que le gouvernement central a disponibilisé pour la province, pour la ville de Kindu en particulier. Nous tenons d'abord à remercier au nom de toute la communauté du Maniema et à mon nom propre le président de la République et le chef du gouvernement de la République pour cet appui qu'on a octroyé à la province du Maniema. Nous tenons aussi à vous remercier, vous les membres du gouvernement, vous êtes venus, malgré les temps difficiles, vous avez accepté de venir voir vos frères du Maniema qui ont un sérieux problème de sinistre ici chez nous, de l'inondation. Vous êtes le patron des actions humanitaires, est-ce que vous pouvez dire à notre commission qu'est-ce que vous avez donné comme don au Maniema? Vous avez assisté la province avec quoi? Et qu'est-ce que vous nous avez aussi amené? Parce que moi, si vous commencez par ce que vous nous avez assisté avant, comme ça tout le monde peut être informé de ce que j'ai reçu du gouvernement. Merci. Et symbolique, parce que ne répond pas aux besoins réels de ceux sur le terrain. Quand j'ai reçu le rapport du gouverneur, il avait fait une demande de montant supérieur, même 4 fois plus que ce qui a été envoyé ici, mais plusieurs situations à travers le pays. Comme là, maintenant, nous avons Kindu, nous avons Ovira, nous avons Kongolo, nous avons Kapalo, nous avons Manono, nous avons Chikapa, tout ça. Donc, il faut faire un geste ici et là. C'est comme ça que le montant qui a été envoyé, d'ailleurs, qui reste le même partout, c'est 308 millions de francs congolais. Le gouverneur est transparent, je le sais, parce qu'il suivait ça de loin. Il est dans le rapport réel. Mais les gens extrapolent, racontent beaucoup de choses par rapport à ça. Maintenant ici, je vais vous dire que je n'ai pas amené l'argent pour Kindu ici. J'ai seulement le reste pour d'autres localités, comme Ovira et tout ça. À Tanganyika, on avait déjà envoyé une partie, et bien on pourra le compléter. Je veux être clair, hein, pour éviter des confusions et des conflits inutiles.
le gouvernement sur instruction chef de l'État pour venir constater les dégâts afin d'évaluer la situation pour une autre intervention gouvernementale. Nous allons voir qu'il y a beaucoup de maisons qui sont sous eau et beaucoup de compatriotes qui sont sans abri. Nous pensons que l'aide qui a été envoyée auparavant, ce n'est pas suffisant du tout. Nous allons maintenant faire le rapport au gouvernement pour évaluer cette nouvelle intervention et surtout savoir l'endroit où le gouvernement a prévu pour les installer. Ils vont nous donner l'état des besoins de ce qu'on peut faire pour construire quelques habitations pour les victimes des inondations. Le rapport des officiels du gouverneur et nous agissons point barre. Donc nous ne sommes pas là pour répondre à ce qui se raconte sous la rue.